reparti. Hop. Ouais. Twitch a pas l'air d'avoir apprécié ça. Ouais, pourtant je vois pas de soucis. Mais bon, on va continuer. Ça devrait reprendre. Voilà, ça dit déconnecté pendant une seconde. Mais non, c'est bon. Là, ça redit en direct. Donc, il n'y a pas de soucis. Ok. Donc, commencer à nettoyer ça ici. On en a 45. J'aimerais en avoir un peu plus. Histoire de pouvoir faire des. Ah! Déjà, il va nous falloir aussi des bras. Mais un peu plus. Histoire de pouvoir faire des. Je vais y arriver. Pouvoir faire des bras, pouvoir faire des foreuses pour le charbon. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va faire la même chose en bas. 1, 2, 3, 4. Hop, raté. 4, 5. Je vais y arriver. 5, 6, 7. 8. Ici, commence à y avoir beaucoup de feuillage, on va appeler ça comme ça. De petits arbres énervants. Hop, et on va repasser tout simplement comme ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Simplement passer le fil tout le long. Voilà, ici pareil. Voilà, et ensuite il faut le relier de ce côté-là pour ensuite faire tout simplement ça ici. Mon petit chemin. Hop, voilà. Ça ici aussi, ça arrive. Donc là, ça nous donne deux chemins. On va juste ramasser le dos. Secondes, ça va nous donner deux beaux petits chemins qu'il va falloir rapprocher d'en bas du charbon. Bon, je n'ai pas mis 30, j'en ai pas mis 45 pour finir, j'en ai mis 32, mais c'est pas la fin du monde, ça doit être correct pour un petit bout de temps quand même. Voilà, on descend ça par où? On descend ça ici, tiens. Retourner en fait, on va s'amuser à tourner souvent, je pense. Hop, voilà, hop, ouais, d'accord. Tiens, on va juste pour que ça marche encore. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, donc là, on arrive. On passe d'ici, on arrive jusqu'au charbon. Donc ça, c'est parfait. On va juste faire apporter ça ici. De ce côté-là. Voilà, de ce côté-là. Donc, le fer arrive en belle quantité comme on peut voir. C'est parfait. Ici, on a notre charbon. Donc, on va vouloir extraire le charbon et l'utiliser exactement pour la même chose. Par contre, on en aura besoin de moins, bien entendu. Mais c'est pas grave. On va quand même en mettre une bonne quantité. Arrêt de train. Pour l'instant, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Vitesse de recherche, ça pourrait être utile. Les lampes, tout ça. Honnêtement, ça, je vais éviter. Batterie. Batterie, ça sera bien nécessaire. Voilà. Je sais pas d'ailleurs, j'ai même pas regardé les recharges bleues en fait. Parce que d'habitude, je suis habitué aux recharges bleues, ça nécessite le plastique. Mais est-ce que ça les nécessite encore? Un peu. Vraiment pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir. On n'a presque pas besoin de plastique pour les recharges bleues. J'avais oublié ce petit détail. Voilà, hop, comme ça, et ensuite on va être obligé de relier ça comme ça, tout simplement. Donc ça ici ça marche, on a le charbon qui arrive donc en bonne quantité, et on va pouvoir
relier ça en bas. Et là, il reste à peine 5h23, donc c'est vraiment pas beaucoup de temps. Il va falloir se dépêcher. On commence à manquer de temps. On va faire un petit tour à la base, aller chercher tous les bras qu'il va nous falloir, donc tout le faire pour faire les bras. Et ensuite on devrait être bon. Voilà, ensuite on devrait être bon pour construire ça. On pourra le ramener cuit, donc avec deux lignes de tapis tout simplement. Je pense que ça sera le plus simple. J'espère que je n'ai pas coupé l'électricité en haut avec ma conduite. Voilà, donc ça déjà ça marche pas à fond. Ça on voit que ça marche pas à fond non plus. Donc c'est pas génial. Ici on va ramasser tout ça. Déjà on manquait de circuit aussi, donc hop, un petit peu de fer, c'est pas assez de fer mais c'est déjà ça. Ok, voilà, c'est tout ça. On va faire énormément de bras robotisés, c'est bien important. Hop, du côté là on est bon. Si bon, ça passe pas tout à fait, mais je préfère que ça soit sous-utilisé qui en manque pour les fours. Petite préférence personnelle. Tout côté là on est bon. Et ici, bon, on a 26 de plus. Au cas où on ait besoin d'autant. Donc là, on a juste besoin d'en mettre 32. Donc il n'y a aucun souci là-dedans. Voilà, donc demi-tour. On y retourne tranquillement. S'assurer que j'ai tapé aucune source d'énergie pendant la nuit. Voilà. C'est cassé. Donc, tout ça on arrive ici. On va faire ça donc quelque part ici. C'est assez vide, ça sera parfait. Et on va faire ça ici. Alors on a ça ici. Ouais, là c'est bon, j'ai espace. Et donc il va falloir rajouter pas cela. Est-ce que j'ai assez de bras? Je devrais en avoir assez. Ok. Alors ça va marcher comme ça. Voilà. Bonne vieille technique. Hop, et est-ce qu'on a des... Ouais, non, on va utiliser les mêmes poteaux qu'habituellement, donc on va rester avec les quarts de 2. 4. Voilà. Hop. Comme ça. Alors là, on est rendu à 10. On a mis combien ici? C'est un peu dur à voir, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pense. J'ai l'impression, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si je peux le compter comme ça ou pas. On va remonter vite fait pour voir. Je pensais en avoir mis 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Voilà, donc 16, c'est ça. Donc là, on en a 16, donc je suis en 16 ici aussi. Donc là, je suis à peine à 10, c'est pas assez. Quoique non, j'étais passé. J'en veux deux de moins. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. C'est ici. Ok. Juste comme ça. C'est plutôt rapide au moins. Quand on fait des petits trucs comme ça, c'est assez rapide. Donc ça ici, hop. On va le relier comme ça. Autour, on va juste mettre ça. On va faire ça comme ça, tiens. Un petit peu plus loin, c'est pas plus grave que ça. Mais comme ça, je suis sûr que ça a marché. On relie ça jusqu'ici. On remonte ça jusqu'en haut. Voilà. Ici. Bon, c'est jusqu'ici, il va falloir plus. Donc on en produit quelques-uns en plus, c'est parfait. Ici, on fait tourner ça. De ce côté-là, on peut faire arriver ça ici. Et de ce côté-là, on peut faire arriver ça comme ça. Ici, on peut faire tourner ça comme ça. De ce côté-là, je fais un petit souterrain. Voilà, et... comme ça, voilà, ça c'est parfait, ça devrait bien marcher. Ici, voilà, relier un petit peu d'électricité quand même. On va être gentil, on va tout faire fonctionner.
Voilà. Et on va faire exactement la même chose sur le deuxième. Encore 18 minutes pour faire marcher tout ça, c'est correct. C'est sûr que j'aurais aimé déjà avoir voilà, trouvé le pétrole, tout ça, mais au moins on réduira notre problème de dépendance au fer, ça sera déjà ça. Alors, de ce côté-là, on va mettre ça ici, je pense. C'est tout ce qu'on a besoin, 12 espaces. Hop. C'est ça. Hop, un petit rocher. Sûr que ça. Ah non, c'était juste du bois. Sûr que ça aide pas quand même. Hop. Et ensuite. Exactement. Le même principe de ce côté-là. Hop. Voilà. Par ici, on fait la même chose. Et ici. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Ça c'est relié. Il manque les bras et le tapis central et l'électricité. Voilà. À part ça, ça se fait assez vite. C'est l'avantage. Hop, dans l'autre sens. Voilà. Et l'électricité. En espérant que ça ne consomme pas trop de courant. Non plus, parce que je sais pas combien combien on peut encore supporter. Si on a besoin de plus, je pense que je ferai un petit truc de courant en haut. C'est plus sécuritaire, vu qu'il y a juste de l'eau en haut. Donc regardons ça. On est quand même proche de la limite, je pense, mais c'est correct. Voilà. Donc, ces deux-là marchent. Donc ces deux-là normalement peuvent être complètement brûlés. Complètement. Qu'est-ce que je dis ? Peuvent être marcher à 100% tout le temps, en tout cas j'espère, et on va pouvoir commencer à le descendre. Voilà, on va descendre ça tranquillement. Hop, je vais en manquer vite fait, et voilà, plus de fil, c'était assez rapide. Il va falloir en chercher pas mal plus. On va faire quelques-uns sur soi, ça pourra peut-être aider. Je sais pas que ça sera suffisant, mais ça a déjà aidé un petit peu. Hop, voilà, on est en manque là si on a juste ça de ce côté-là. Est-ce qu'on peut en avoir plus? Non, pas vraiment. Bon, on va essayer de finir au moins un fil, comme ça, ça va permettre d'apporter plus de matériaux, d'en faire plus rapidement. On va essayer de l'apporter quelque part ici. Toujours suivre cette ligne, c'est à peu près la bonne direction, voilà. Donc, on a 200 cakes, ça devrait être suffisant normalement. Tiens, ici on va passer de l'autre côté. Voilà. C'est sûr que ça en prend une tonne. Le train aurait sûrement été plus efficace. Mais que voulez-vous? Ça ne comptait pas de préparer tout un train juste pour ça. Voilà, ça aurait été plus efficace, mais en tant que tel, c'est aussi un peu une perte de temps. Voilà, un petit peu. Un petit peu ça. C'est tout manger avant que ça arrive. Voilà. Ok, on va passer ça en souterrain. Hop. Hop, hop, hop. Ça ici, on va enlever ça. Et on va placer plutôt l'autre en souterrain. Voilà, peut-être non, le remonter un peu parce que là, ça fait un peu loin quand même. Ok, donc on va faire ça comme ça. Ça ici, ça se rejoint ici. Et ouais, on va en avoir un qui va arriver par là. Ouais, on va relier ça comme ça. Alors, on va relier lui ici. Et il va y en avoir un autre qui va pouvoir le relier là, et celui-là va juste le relier ici. Voilà. Comme ça, ça fait deux belles lignes en arrivée. Ça devrait être correct. On est rendu, il nous reste 92, ça sera vraiment pas assez. Bon, tu peux en donner 32 plus, c'est déjà ça. Ok. Donc on va finir ça tranquillement.
faire la deuxième section si on veut. Ensuite, il va falloir finir de préparer quand même pas mal de trucs. Bon, là, je suis en train de perdre beaucoup d'images, l'air de rien. Hop, je sais pas trop pourquoi. C'est vraiment étrange des fois. Ouais, des fois, ça marche super bien. Et d'autres fois, ben, c'est plutôt horrible. Voilà, là, toute la journée, ça a bien marché. Et on arrive en soirée. Et bien entendu, il faut que ça commence à perdre toutes les images possibles. Voilà, encore une centaine. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. L'avantage, c'est que je peux ramasser pas mal de fer et en faire plus. Hop, ok, ça c'est fait. Force de freinage, on va pas le faire tout de suite, ça ne sert à rien. Béton, on en aura besoin plus tard, mais on va pas le faire. On va faire ça ici. Voilà. Puisqu'il va nous falloir, on va bientôt passer aux séances 3. Il va nous le falloir bientôt. Hop. Voilà. Alors, on est presque rendu. Presque rendu, mais pas tout à fait. Ok, donc ça ici, on arrive. Hop, on passe par là. Ensuite, ah, voilà. Donc ça, c'est placé comme ça. Ça remplit tout ça ici. Ça va peut-être permettre de remplir tout ça en bas aussi. Ok. Faire ça comme ça, c'est absolument pas une bonne façon de faire, voilà, tous les répartiteurs comme ça, mais ça a marché pour l'instant, et honnêtement, je veux juste que ça marche, voilà. Voilà, donc ça c'est bon, voilà. Donc là, les deux ressources peuvent arriver, peuvent se mélanger ici, donc là, voilà, on voit que les deux sont pleins directement, c'est normal, il n'y a pas besoin d'une aussi grosse consommation habituellement, donc... Voilà. On va laisser permettre plus de stack ici en ressources, c'est bien important. De ce côté-là, voilà, il y a pas mal plus de fer qu'on veut arriver d'un seul coup. Ça, c'est tant mieux. Au pire, on passera au rouge si on a besoin d'encore plus. Mais ça, peut-être une deuxième ligne serait utile, mais à part ça, je pense pas. Ici, ça aussi, ça pourra recommencer. Donc, sur le coup, c'est plutôt bien. Hop, machine d'assemblage, ça va s'arrêter dans pas longtemps. Ici, les circuits. On a besoin d'une belle quantité. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le reste, ça a l'air d'aller. Voilà. On va ramasser ça un petit peu au hasard. C'est parfait. Ici, bon, je ne vais pas en rajouter tout de suite. On n'a pas besoin de plus pour l'instant. Voilà, ça fait pas mal de pollution en haut. Donc, on va faire un petit... Une petite reconnaissance, je pense, avec notre véhicule, quoi qu'il a l'air de recommencer à faire nuit et mon véhicule est pas là. Ouais, je l'ai laissé en haut, parfait. Donc il va faire nuit et mon véhicule est en haut, donc on pourra pas encore explorer parce que ça sera de nuit, donc on va rien voir. Ce qui est pas fantastique. Voilà, hop, l'uranium, c'est bien ça, ça fait de la lumière, c'est agréable. On va essayer de ramasser un petit peu plus de fer. Hop. Histoire de pas trop en manquer. Voilà. Inventaire du joueur plein. C'est bien ça. C'est bien. Chevalet de pompage, on va en faire, voilà, quelques-uns parce que c'est quand même super long à faire. Usine de produits chimiques, c'est ici, je peux pas parce qu'il faut des briques de pierre, mais j'en ai plein à la base. Le reste, c'est correct. Niveau électrique, c'est correct aussi. Et on va pouvoir rentrer là-dedans. Ok. Donc, c'est le temps de chercher pour du pétrole. Là, il va nous falloir du pétrole qu'on va sûrement devoir ramener là par cette fois. On va devoir le ramener par train. On n'aura probablement pas le choix à part si c'est très très proche de la limite de la map. Voilà. J'ai aussi un peu peur d'arriver sur une base alien. Un peu. Normalement, ça devrait être correct. Hop, parce que j'arrive à passer presque.
Presque, presque. Allez, je veux juste du pétrole. Dis-moi après qu'il n'y a pas de pétrole sur cette base. Ah, voilà. Du pétrole. Enfin. Ouais, parce que quand même, à un moment donné, ça va me faire peur. On a perdu 1 heure à cause de ça. Voilà, rendement. C'est pas un rendement super, mais ça sera déjà ça. Voilà, c'est un peu long à tirer quand même sur les armes, comme ça, là. Hop. Ça va être plus rapide à la hache. Ça va être plus rapide à la hache. Voilà. Commencer à défricher un peu tout ça. C'est peut-être un peu loin par contre. C'est peut-être un peu loin de la base. Ouais, ramener tout ça déjà que juste ce tapis-là, il est assez long. Bon, là, ça serait des tuyaux. C'est moins pire. Mais souvent, tu as une perte de débit. Donc, il faut que tu rajoutes des trucs au fur et à mesure. Et tu perds quand même beaucoup. Je me demande, c'est quoi ça en bas? C'est juste, ah, c'est juste un changement de biome, ok. Ah, et est-ce que je verrai, voilà, de l'uranium ici. C'est pas mal ça. Belle petite zone d'uranium encore. Pourquoi pas, il n'y a pas l'air en tout cas d'y avoir d'ennemis proches. Ce qui est assez étonnant, je veux dire, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ennemis autour. Ça, je me demande, est-ce qu'on le voit quand ça descend? Ouais, 364, ouais, on voit que ça descend. Lui aussi, ok. Lui, donc on sait bien, on pourra voir si ça descend, ce qui est plutôt un bon avantage. Au moins, ça c'est facile. Tu auras juste à regarder. Ok, on a perdu 2000%. Il nous reste, on est plus qu'à 600%. Bon, il faudrait peut-être changer de zone de pétrole. Voilà, hop, en tout cas, celle-là est assez grosse. Normalement, elle devrait nous servir un bon moment. C'est pas tant la taille de chacun en tant que tel qui est grosse, mais plutôt le fait que il y en a beaucoup. D'ailleurs, pourquoi lui? Je sais pas, il se colorait pas avec les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on va en faire 7 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bien important, il va falloir se faire une tonne de tuyaux souterrains aussi en suivant. Et ensuite, il va falloir se faire bon, encore une tonne de trucs. Mais ça sera... Le temps qu'on se prépare, en tout cas, ça sera sûrement au prochain épisode. Ça serait vraiment étonnant que j'arrive à le faire maintenant. Il va nous rester 5 heures. Ensuite, là, les... Voilà. Pour regarder, regardons un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Là, on fait électronique avancée. Voilà. Donc, on fait électronique avancée. Ensuite, on va pouvoir faire laser, etc., etc. C'est certain qu'il va nous falloir moteur électrique. On pourrait peut-être aller vers l'énergie nucléaire directe. Peut-être. Ça pourrait valoir le coup en tant que tel d'avoir ça. Je sais pas si je vais le faire direct par contre parce que ça risque de prendre longtemps à comprendre, à faire marcher, ce qui nous ferait sûrement perdre instantanément les 8 heures. Sinon, ça panneau solaire portatif, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, parce que nous en fait, où on veut aller, c'est silo à fusée. Voilà. Donc, silo à fusée. Pour avoir ça, il va falloir faire pas mal de recherches. Voilà, on voit déjà, bon, on est juste ici pour l'instant, mais ces recherches, si un module, la recherche de module, c'est plutôt rapide à faire, c'est pas très compliqué. Là, on fait ça, ensuite, on aura électronique avancée, ce qui va nous débloquer les packs de sciences high-tech, ce qui est correct. Voilà, ensuite, on aura diffusion de module, ok, silo à fusée, voilà, on y retourne pour faire le silo à fusée, d'ailleurs, qui coûte assez cher. Structure de faible densité, ça j'ai pas l'impression que ça coûte plus cher, ce qui est plutôt bien. Et ça donne accélération du véhicule 180%. C'est-à-dire que si tu mets du carburant infusé dans un véhicule, tu gagnes de la vitesse. Parce qu'un combustible solide c'est 25 mégajoules. Si je dis pas n'importe quoi, un combustible solide c'est 25 mégajoules. Donc t'en mets 10 ensemble, tu passes à 225. Donc en tant que tel, tu perds un combustible solide en le transformant, mais tu gagnes 180% de boost de vitesse, ce qui est pas mal. Ici, unité de contrôle de la fusée, c'est des modules de vitesse 1. Ah, ça c'est bien, on voit les lumières s'allumer selon le module que tu demandes. Ah, j'aime bien ça. Donc, c'est des modules 1 et un processeur, c'est pas compliqué. C'est surtout les nombres de processeurs en fait qui me fait peur. Voilà. Structure faible densité, carburant pour fusée, etc. etc. 10 unités de contrôle de la fusée. Et un satellite en tant que tel, c'est pas si pire que ça parce qu'il faut penser qu'on va devoir faire les modules de vitesse et modules de production.
Module de production? Ouais, ok, donc pas de productivité. Module de production. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est l'autre. Mais voilà, avec les modules de production, donc on va pouvoir en placer partout déjà, ce qui va nous rajouter 10% de productivité par module par emplacement. Donc disons à la fin t'en as, je pense que tu en as 4 dans la fusée, un truc du genre. Donc tu réduis de 40% le besoin en ressources, ce qui permet d'aller pas mal plus vite. Donc ça, il faudra le faire assez vite aussi. Une fois qu'on aura tous ces modules-là. Sinon voilà, bon, il y a la vitesse de tir des roquettes qui est quand même assez chère. Il faut des sciences militaires pour ça. Voilà. Donc tranquillement. C'est pas la fin du monde, hein, mais c'est surtout qu'il faut des sciences militaires pour ça. De ce côté-là, il va falloir 1000 sciences. Les packs high-tech, ça risque d'être un peu plus compliqué. Pack de production de sciences. Pack de sciences de production, voilà. Ça, c'est correct. Ça sera un petit peu plus de. Je sais même pas où on les prend, ceux-là. Hop, parce que là, on a les high-tech. Je sais même pas d'où ils viennent, en fait. J'en ai pas la moindre idée. Ouais, non, je le vois pas. Hop, c'était quoi ça? Ah, c'était robot. Je pense que je l'ai vu, voilà. Traitement avancé des matériaux, pack de sciences de production, chevalet de pompage, aimant de moteur électrique, four électrique. C'est un peu énervant parce qu'honnêtement, faire des chevalets de pompage à chaîne, y a pas beaucoup de monde qui font ça. Mais voilà. Donc je pense que c'est encore réalisable en 5 heures. C'est à voir. Bien entendu, c'est à voir. Peut-être pas. Peut-être qu'on va découvrir que ça sera pas possible à cause de tel ou tel truc. Mais je pense qu'en 5 heures, on peut s'y rendre. Ou en tout cas, si on n'y arrive pas en 5 heures, je pense qu'on peut être relativement très proche des 5 heures. Voilà, très très proche. Ce qui serait plutôt sympathique. Voilà. Donc voilà, une dizaine de chevaliers de pompage de posée. J'ai l'impression qu'ils ont réduit la flèche d'ailleurs. La taille de la flèche. Ce qui fait que pendant une seconde, je voyais pas les sorties. Hop, voilà. Donc tout ça c'est relié pour l'instant. Bon, il va en manquer d'autres. Il va nous falloir aussi des tuyaux, pas mal de tuyaux. Voilà. Hop. Voilà, déjà on en fait pas mal sur le coup. Il va nous en falloir beaucoup plus que ça. J'ai énormément de fer au début, j'en ai plus du tout. Et il faudra peut-être mettre une tourelle ou deux parce que je vais commencer à avoir peur de me faire attaquer. On commence quand même à polluer loin, beaucoup de zones qu'on connaît pas vraiment encore. Donc il faudra faire attention à ça. Je continue un petit peu le petit tour juste pour voir s'il n'y aurait pas des aliens par là. Il reste 5 minutes, ensuite on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Je continuerai de toute façon demain, voilà. Même chose relativement tôt. Bon, moi je suis au Québec, donc sur le coup ça fait que si vous êtes en France et que vous êtes encore levé, même si 4 h du matin rendu là. Voilà. Si vous êtes en France, bon, sur le coup, pour vous, ça sera le matin. Quoique, vous ne serez peut-être pas levé vu que vous êtes encore levé maintenant 4 h du matin. Mais voilà. Donc, je vois, honnêtement, pas de base alien. Je trouve ça un peu étrange. Mais ok. Ici. En 1800. On a bien fait. L'autre est à 2600. C'est parfait. Hop. Ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ah, première base alien et elle est toute petite. Oh, par contre, ça c'est gros. Ça c'est gros. Boum, 8500. Ça c'est. Le niveau est un peu passé au-dessus. Voilà. Ça c'est joli. Ok. Donc ça c'est assez intéressant. Bon, il y a une base alien à côté. Et, en fait, c'est un peu. C'est quand même assez long. On s'entend la distance entre ça et ça et ça et ça. Il y a une bonne différence. Donc cela sera pas le plus rapide sur le côté. Et en plus ça va nous permettre, je pense qu'on se fera une raffinerie sur le côté et ça sera bien correct. Ou pas là, c'est immense. Ces ressources-là. Ouais, hein. Combien? 16 millions. Ok, tu te prends ça, t'as plus de problème. T'es correct pour un moment. Ceinture. Productivité minière. Tout ça, sur quoi est-ce qu'on part? On pourrait partir sur les modules pour avoir un petit boost maintenant. En tant que tel. Il est rendu quand même à avoir beaucoup de choses qui ont besoin d'autres choses.
beaucoup de recherches qui ont besoin des sciences bleues. Moteur électrique. J'hésite à faire le transport ferroviaire automatisé. Honnêtement, ça serait peut-être pas. Je sais qu'on va le prendre. On va le prendre. 16 millions quand même. 16 millions avec. Même ceux-là sont petits en comparaison. En fait, la richesse doit être énorme là-dessus. Ouais. Hop, une autre base alien sur le côté. Bon, on commence à croiser des bases aliens. Alors, pas énormément, mais on commence à en croiser. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas trop peur. Voilà. Je me sens plutôt en sécurité. Voilà, on va juste remonter tranquillement sur le coin. Juste s'assurer, voilà, parce que je sais que je dois polluer pas mal dans ces coins-là. Donc, juste s'assurer au moins comme ça. Hop, est-ce qu'on passe? Voilà. Au moins comme ça que toute la zone sur laquelle je suis. Notre pollution s'arrête ici. Voilà. Donc ça pour l'instant c'est encore correct. Ici je mettrai quand même une défense ou deux parce que je sais que là on va polluer quand même énormément. Donc il faudra faire attention. Mais pour l'instant c'est pas pire, on pollue pas trop loin. Donc voilà, encore 2 petites minutes. Transport ferroviaire automatique. Je sais pas si on aura le temps de faire une autre recherche. Peut-être. Peut-être le temps d'en partir une autre en tout cas. Voilà, on revient. De ce côté-là, j'aimerais voir. Oh, on est plein là-dessus, c'est bon. Est-ce qu'on est encore bon d'ailleurs au niveau. Hop. Hop. On peut pas y toucher, voilà. On est juste à 8,8, donc on doit pas consommer tant que ça. Et on a quand même 104 foreuses, je m'attendais pas autant. Pour de vrai, je m'attendais pas à ce qu'on en ait déjà 104. Mais faut croire que voilà. Hop, pas trop loin. Voilà. Donc ça ici. C'est parti. Ouf, c'est parti loin. Voilà. Oups. Bien entendu, il fallait que je ramasse ce qu'il y avait en dessous aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça ici ça marche. Tout ça on le fait descendre par là. Je pense qu'honnêtement je pourrais faire descendre une autre ligne de ce côté-là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le seul souci c'est qu'en tant que tel, si j'en fais descendre une autre, voilà, même si je la fais descendre ici. On arrive quand même au même problème ensuite. Qu'on est coincé. Alors, par ça. Peut-être juste pour les engrenages, puisque déjà les engrenages peuvent manger énormément. Ce serait déjà une bonne idée. Celui-là ici je peux pas vraiment le pousser. Ouais, ça serait dur à pousser. Sinon ce que je peux faire, bonne vieille méthode, ouais, ok, ça c'est bon. J'étais pas sûr si ça communiquait. Voilà, jusqu'ici. Comme ça. Et ensuite. Ensuite, on continue comme ça. Et on y arrive enfin. Voilà. Comme ça, on peut garder tout ça ici. Ok, ça c'est bon. C'est parfait comme ça. Voilà. On a une autre zone qui peut venir envoyer des ressources jusqu'ici. Comme ça, on ne perdra pas toutes nos ressources juste pour faire des engrenages. C'est un peu mieux. Voilà. Transport ferroviaire qui est terminé. On va partir sur une installation ferroviaire. On n'en a pas besoin tout de suite. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc, il va falloir partir sur la production des sciences bleues au prochain épisode. Mais ça sera demain. Si vous écoutez par contre la rediffusion sur YouTube, ça sera dans quelques jours, je suppose. Je sais pas. Je sais pas dans chaque combien de jours je sortirai des épisodes. Manipulation des fluides, je pense que je vais le faire. Ouais, je pense que ça sera utile ça. Donc voilà, prochain épisode, on commence à rapporter le pétrole. Donc on va faire un train qui va l'embouteiller, le ramener.
qui va faire pas mal de petits trucs intéressants avec. On va l'amener quelque part ici, on va le traiter, tout ça. On fera ça comme il faut. Ensuite, on pourra faire les sciences bleues. Ensuite, on pourra faire les autres sciences. Et ça devrait être pas mal rapide à partir de là. Et il nous reste 5 heures pour arriver à faire décoller une fusée. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce live comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.